Salut tout le monde, c'est MacLeon85 de retour dans Minecraft, tout à fait, de retour dans Minecraft avec un tout nouveau skin, un skin un peu cowboy. J'ai fait exprès par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je suis sur une map survie aujourd'hui, une map survie qui se nomme Wild West, créée par iCrafting. Si vous le connaissez, il a créé la map merde, comment ça s'appelle déjà cette map? Crusoe. La map Crusoe. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà. Donc c'est une map survie. Donc notre but est de survivre. Donc nous atterrissons au départ dans un village. Dans un village de western. J'oublie tous les noms. Ah, ben. Voilà. Allez, on est parti. Donc voilà. On va atterrir au départ dans un western. Alors je vous présente un peu les petits bâtiments. Donc il faudra que je fasse des panneaux aussi, hein, parce qu'ici là pour me repérer. Alors ici c'est l'armurerie, celui qui vous donne les armures. Et celui qui donne les armes, mais bon. Voilà, il a juste un arc qui vend. Voilà. Attendez, faut que je tente un truc. C'est bon, j'ai réussi à te... Non, je m'en fous de toi. Voilà. On récupère les objets qui sont intéressants. Hop là. Attendez, je l'enferme, hein, parce que il est dangereux pour information. Voilà, donc derrière, comme vous pouvez voir, c'est un désert infini, hein, si j'ai cru comprendre, enfin un désert infini, c'est un désert, un putain de désert. Voilà. Regardez-moi, c'est fou. Voilà, donc là, eux ils vendent qu'un seul truc. Donc lui il est cool par contre. Lui il donne des émeraudes gratuites. Bah donc lui ça sera pour ma culture. C'est une des quêtes, hein. Voilà des cheveux. Alors, lui j'ai déjà parlé. Ici c'est la prison. Il y a toujours une prison ici, hein, attention. Avec même un prisonnier. Salut toi. Salut toi. Voilà. Ensuite. Ici le saloon. Ou l'hôtel, c'est vous qui voyez. C'est les deux, hein. Donc on va le saloon. Regardez-moi, c'est fou. Voilà, donc notre vendeur de viande. Hein. Comme vous pouvez voir, hein, la pièce d'or, c'est le... C'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut utiliser. Voilà, et ensuite les chambres. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai déjà choisi une chambre. Non, non, toi, tu sors pas. La room 1, je vais prendre la room 3. Pourquoi la room 3? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que c'est une chambre à deux. Non, je m'en fous. La chambre à deux. Non, mais en fait, c'est ce que j'ai déjà essayé. Et puis, c'est un peu plus haut que les autres chambres. Donc, au final, je peux atterrir. Hop, hop. Quest log. Ouais, je vais vous le montrer. Et ça, ça arrange. Voilà. Donc, en fait. Si je souhaite que c'est plus haut, donc en fait s'il y a des monstres, je peux dormir directement et les monstres ne pop pas. Voilà, donc j'irai souvent dormir ici, hein. Sauf en période de minage qu'on va très vite aller faire. On va laisser ouvert, comme ça les enfants vont pouvoir sortir. Pour rentrer. Là, lui, voilà. Vous voyez, voilà, il donne des trucs tellement gratuits. C'est cool ça. Ici. Jonathan, oh, je l'avais pas vu. Cool. C'est parfait, mais c'est très bien tout ça. Oh, il n'y a pas de porte ici. Oh, il n'y a pas de porte ici. Alors attendez, je vais en créer une, hein, j'oublie. Parce que j'ai pas envie qu'il se fasse tuer. Hein. Tous les blocs ici sont à votre disposition. Hein. Je pense que ce sont des blocs qui permettent de réparer. Voilà, donc vous voyez, il y a des quêtes à faire. Trouver, prendre un cheval. Aller à l'hôtel pendant 4 jours, trouver la mine de gold perdue. Ça je le ferai très vite, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le moyen de paiement le plus, c'est ce qui permet de payer des trucs. Et oui, ça c'est la classe. Je prends tout, je me fais pas chier. Là, je prends tout, je suis un pilleur. Voilà, il y a un autre coffre là-bas si j'ai mon souvenir.
Celui-là, il donne des objets. Comment ça faire nuit, vite, vite, vite. Je vais dormir tout de suite. Donc voilà. On va faire une bonne petite aventure. On va essayer de faire toutes les quêtes. Il faut vite aller dormir. Voilà, comme ça, il n'y a pas de monstre qui pop. Pas lui. Good night. Parfait. Allez, on y retourne. Le saloon. Pas besoin de manger, on va continuer à récupérer des objets. Quelques gars, il est tombé. Alors qu'on choisisse un cheval, ensuite on va partir. Parfait. Des bâtons qui servent. Les trucs qui servent strictement à rien. Parfait. 5, j'en ai assez pour faire une porte. On va s'occuper de ce petit village. On va dire je suis le shérif. Je suis I'm a Paul Hansen Cowboy. Pardon, normalement c'est sur le cheval qu'on fait ça, qu'on dit ça. Alors, table à craft, je sais qu'il y en a une, vous me direz pas le contraire. Parce que j'ai fait la map avant vous. Arrête de fermer la porte derrière. Table à craft, ah, je crois qu'elle est en haut. Je sais plus. Voilà, ici il y a un autre gars qui vend. C'est Manuel. Alors pourquoi ça, je sais pas. Je m'en fous. Moi je cherche la table à pâte et moi je demande que tu fermes la porte. Je dis tout de suite, hein, les monstres, on les combattra que dans les cavernes. Mais quel boss. Donc là, les portes ouvertes, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc si, vous voyez, il faudra réparer tout ça. Hein, petite bâtisse. On verra où sera ma maison. Pour l'instant, je sais pas. Oui, et là aussi, je check le pack de texture Faithful. Pour information. Attends, je suis en recherche d'un pack de texture. Pack de texture. Une table à craft, je sais qu'il y en a une, je l'ai trouvé la dernière fois. Je crois. Oh mince, je crois que je confonds avec une autre map. J'ai fait tout à l'heure. Enfin, hier. Bonjour, au revoir. Bonjour tout le monde. Alors lui, qu'est-ce qu'il vend lui? Il se parle. Ouais, salut, salut. Ah voilà, donc vous avez vu les émeraudes. Truc pas logique du tout, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tellement con ces trucs. Pas aussi bon, bah, il va me falloir du bois encore. Oh, il y aurait pas une table de craft gratuite là? C'est pas quelque chose de... Oh là là, oh, c'est des blocs de blocs. Oh lui, qu'est-ce qu'il me donne lui? Tu plais contre un émeraude. Un livre écrit contre un émeraude. J'ai à moitié envie de le donner. Oh, tu sais que t'as une bonne idée. Oui, parce que sur le site, vous avez directement le droit. Vous avez directement accès aux quêtes en fait. Donc ce livre-là ne sert strictement à rien. Est-ce que ça marche si je mélange des... Ouverture de l'inventaire, réussi. Je l'attends. Yes! 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 Allez, hop là, on fonce tout de suite à l'hôtel. Il est midi. Et ben, c'est parfait tout ça. Je laisse ouvert pour les petits. S'ils ont soif. Je vais pas te mettre là, toi.
Oui, je sais, je suis un petit peu. Voilà, tu seras mieux là. C'est vrai qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose, mais moi je suis un rénovateur. Alors hop là, on est parti pour descendre. Et encore, je suis désolé pour ce qui s'est passé par rapport à mon monde. Hein. Voilà, un petit virus qui est venu, j'ai lancé la recherche du virus et puis ben, malheureusement, ça a touché mon dossier pour Minecraft. Donc au final. Et puis voilà, j'ai perdu mon truc. Enfin bon. Tant pis, tant pis. Je suis toujours là, ok. Hop là. Je récupère ça. J'ai des laisses. C'est parfait. Alors. Je vais prendre de quoi manger. De quoi faire du minage aussi. Ça va être important, ça. Est-ce que j'attends le jour? Ouais, j'attends qu'il fasse jour. Alors, je vais prendre de la nourriture. Alors, la Blue Beer Light. Ça, c'est un truc spécial. Alors, j'en prends 3. J'aurai de quoi tenir un peu. Parce que le minage, hein, ça va être chaud. Alors, il est où le vendeur? Il y a un gars. Pioche, enfer, efficacité 2. Ah ouais, lui il est gentil. Hein. Reste là toi. Non, moi j'ai un truc qui sort avec des émeraudes. Quel connard, quel connard. Putain. Non, petit. Putain, il peut le faut l'aider. Hein. Ils sont vraiment débiles aujourd'hui. Lola. Je crois que c'est lui qui fait des trucs intéressants. Oh, oh. Arrête de bouger. Voilà, c'est lui. Alors, 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. 4. Les haches sert à rien. Et oui, il faut vite utiliser de l'or ici. Alors, je vais choper ma table à craft. Qu'est-ce qu'il me prend? Je sais pas. Non, je peux pas en faire pousser. Hein. De toute façon, il faudrait que j'ai un. Il faudrait que j'ai de la terre que je peux choper. Mais bon, voilà. Là, vous voyez, voilà. Alors, on va prendre ma table à craft. À moins que je trouve d'autres terres, d'autres planches de bois. Ouais, ouais, on va voir. Non, il n'y en aura pas. À moins que je. Allez voir s'il me vend pas par 4. Ah, d'accord. Ah, bien, en fait, je t'achète ça. Ma petite table à craft et je vais me faire des bâtons de bois qui me serviront pour la création d'armes. Hop là. Ouh, 40, ça devrait faire l'affaire. Allez, on y va. On va mettre ça, tout ça dans ma maison. On attend que la nuit passe. Je crois qu'ils vont aller, vous allez voir. Ceux qui veulent venir, voilà. Il est bloqué comme un gogol. Faut l'aider. Voilà. Intelligence, mais quelle intelligence. Bolos. L'autre, il vient sur mon balcon. Waouh, quel balcon incroyable. Avec une vue tout simplement magnifique. Ça s'arrange, ça s'arrange. J'en ai besoin que d'une. Même pas. J'en ai besoin d'aucune laisse. Émeraude. J'ai pas trouvé le gars qui vendait. Torche, je garde. Ça, je garde. Parfait.
Elle va partir en pleine nuit, hein, je vous le dis tout de suite. Il manque sauf le gars qui va avec un truc à la mode là. Je vais le trouver. Allez, c'est parti. Go, go, go. Les portes se ferment aujourd'hui, malheureusement. Il va faire nuit. Alors, mon cheval, ça sera celui-là. Ce sera très très bien pour moi. Je crois que c'était là-bas qu'ils vendaient du, des émeraudes. Truc intéressant d'ailleurs. D'accord. Au final, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. Ça, c'est la classe. Un émeraude. Oh, c'est du gâchis. Hein. C'est du gâchis. Ah, on va y dormir. Et on part tout de suite au minage. Regardez-les, ils sont excités. Il fait nuit. Faut que je me dépêche. Oui, je les aide à rentrer. Et dodo, allez, dodo, dodo. Parfait. Et voilà, salut tout le monde, on se retrouve. Non, j'ai quand même. Si vous voulez sortir, vous sautez. Alors, la dernière fois, hop là, elle lui la laisse, elle lui la laisse, elle lui la laisse. Je l'ai vu tomber. Hop là, et toi, tu viens avec moi. Et voilà, c'est parti. Nous partons à la voiture. Alors, nous partons par là-bas. Enfin, je vais mettre un truc de repère, genre du cactus. Que je vais couper. Alors voilà. Ce trou là me semble faire l'affaire. En plus c'est pas très très loin. Et ben moi je dis c'est parti. Ok ok ok. Alors on pose. Hop là. On descend. Et voilà, tu bouges pas mon petit cheval. Si tu prends une botte de foin, pas grave. Voilà pourquoi j'ai pris une pelle en fer. Bon, malheureusement c'est du sable. Ce qui veut dire que je vais être obligé de faire ceci. Oh, la pierre de sable. Yes. On va éclairer tout ça. Hein, parce que... Voilà, quand la nuit sera tombée. Sois pas en train de crier, oh mon dieu! Oh. Oh mince, je me suis craqué. Oh non, mais je veux pas de grès, moi je veux du sable. Voilà. Ça le fait mieux. Hop. Il paraît qu'il y a plein de mines en dessous. Hein. Il paraît quand même qu'il y a déjà des mines de fait. Enfin bon, moi je mine comme ça pour l'instant. Et hop, c'est là, désolé si vous voyez rien. Mais vous voyez quelque chose maintenant. Il y a de la terre. Ça me fait bizarre. Oh le bolos. Des gens de ma part, ça. Allez, casse-toi, toi. Oh, oh, et voilà mon premier fer.
ça va, ce sont des filons, ce qui veut dire que c'est pas du pif qu'il est fait. Ok, aussi mon cheval se fait attaquer, hein. C'est pas pour rien que je me mets pas très loin, parce que comme ça, je suis pas trop trop loin. Je vais casser ça. Ah ben, c'est qu'ils ont failli m'avoir avec moi. Je suis sûr qu'il y a quelque chose en dessous. Enfin, j'allume tout ça. Un peu de terre pour les arbres, parfait. Éliminer toute cette petite salle parce que là on croit que c'est pareil, mais bon, après ce sera pas pareil. Et ben dites-moi, j'ai bien causé moi. Trop fort. Et en plus, c'est ouais, c'est des vrais filons de fer. Hein. C'est pas du, c'est pas le gars qui a posé ça comme ça au pif pour faire joli, pour se dire ouah, il y a du fer. Mais non, allez, on est reparti, on continue à descendre. Attends, toi là-bas, toi, tu me fais peur. Voilà. Attendez, je vais voir les stats, combien de temps de jeu je suis là. Alors ça c'est que je suis le temps de jeu 21 minutes, très bien, très bien. Et bien encore 10 minutes de jeu. Ça fera l'affaire. Encore jour, c'est parfait, et je tombe encore sur du fer. Là par contre c'est un mec qui a posé ça comme ça. Quoi cette arnaque? C'est une arnaque, très grosse arnaque même. Oui, je pourrais mettre de la pierre, mais bon voilà, je la garde. Oh yes. Oh my god. Mon premier erreur. C'est parfait ça. C'est parfait tout ça. Je vérifie quand même. Hein. Si ça fait pas quand même que le fer, il se peut qu'il y ait de l'or encore à côté. Pardon, là je me suis senti puissant sur le coup là. Faut que je me calme. Dans mon premier heure, c'est parfait. Le moyen de revenu le plus efficace ici. C'est sérieux tout ça? Y'en a pas d'autres? Allez. Dieu, comment qu'ils sont trop gentils ici, quoi. Vous avez vu ça? Si ça peut spawn, par contre, là, je vais reboucher pour pas que ça spawn. Un plein. Oh yes. Oh yes. Oh, le PG. Enfin, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai trouvé ça. J'ai vraiment bien creusé. Hein. Ici sera un futur endroit pour tourner. Je tournerai sûrement. On continue à descendre pour l'instant. Il va faire nuit.
Je suis pour. Attendez. Je comprenais pas pourquoi je perdais pas de poulies. Maintenant, je viens de comprendre. Tout s'explique. Parce que normalement, j'aurais dû en perdre. Je suis deg. Je suis désolé, hein, mais moi aussi, je suis deg. D'un côté, voilà, ça me permet d'éviter d'utiliser de la viande. Mais bon, voilà. Je suis deg un peu. D'ailleurs, je crois que je vais remonter. Parce que maintenant que j'ai fait ça, ça va pas être joli joli dehors. C'est une blague, il fait jour encore. Non, il fait pas jour, il fait pas jour. On monte, on monte, on monte, on monte. Il fait pas encore nuit? D'accord. Bon ben parfait. Profitons-en. Waouh, waouh, waouh. Wow. Ma mine, elle va jusqu'à là-bas. D'accord. Allez. Nous rentrons à la maison. J'essaie de trouver une musique pour cheval. Quand je serai cheval. I'm a poor lonesome cowboy. And who speak John Wayne so don't stop no 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 no. Pardon, désolé, je me suis pas senti sur le coup. Voilà, là vous voyez, là je t'en ramène la pété à moitié. Donc là c'est ça, rentrez, rentrez, rentrez tous. Et puis vous voyez, il rentre, ensuite il vient ici. Ah non, il est monté. Ma chambre. Ma chambre. Il y a un abogène dans ma chambre. Un abogène. Je déconne. C'était nul. Alors, pop, 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 pop. Mon ami planche. C'est parfait pour faire fondre. Eh bien, on va faire dodo. Voilà. Il a fini, il n'en a fait qu'un seul. Affecte. Hop là, c'est parfait. Comment font. Ah, c'est ça. L'or, ça me sert à rien, sérieusement. Ça me sert qu'à ça. Hop là, des golden nuggets ou des pépites d'or. C'est parfait tout ça. Parfait, parfait. De l'émeraude en plus. C'est toujours ma vidéo, c'est ma chambre ça. On ne vient pas me gêner chez moi. Salut. Ah la chance. Merci. C'est ça, reviens plus. La terre a plus jamais remettre les pieds chez moi. Statistiques. Ok. Ok, ok. Quantité utilisée, quantité minée. Waouh. Popopo, je croyais vraiment pas que j'allais trouver de l'émeraude comme ça, sérieusement. Objet, lingot d'or, 18 de fabriquer quand t'es consommé. C'est parfait, c'est parfait. Quoi? Ouh là 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 là. Bon, mais j'ai de quoi vivre pour l'instant. Hein. Je vais être un peu mineur, moi. Hop, 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 hop. Ça va me faire du fer, moi. Je serai mineux de part. J'aurais pas assez pour tout faire.
Vous savez quoi, avec la terre que je vais faire, je vais m'acheter un... Eh ben ouais, je vais faire ça. Hop là. Hop. 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 Je vais me prendre de l'or. Tu verras, ça rentre, la pierre ça rentre, ça rentre. Je regarde toujours un peu. Je vais me prendre des arbres. Je vais me prendre un truc des cajoux. Ça va me faire des putains d'arbres ça. Alors je crois pas que c'est quand même qui d'antenne. Ok. Ils ont tous envie d'aller boire. Allez, le saloon. Non, celui-là, c'est les graines. Merde. Pardon, mais pardon, Toby. Sorry, Toby. Bloc d'herbe. J'ai déjà des blocs de terre juste à attendre. Ah oui, ça, est-ce que ça pousse l'herbe dans le désert? Ah bah oui, je crois que je me suis bien gouré. Et oh, ils vont se ramasser un peu là, ils vont péter leur lienne. Et mon cheval. Je suis là. Madame Moon. Parfait. Alors, chaîne, cajou. Les premiers sont plus tentants. Hein. Ça me coûte moins cher. Voilà, j'en prends 5. Voilà. En plus, c'est les planches de poids qu'ils utilisent. Alors. Hop, rentre chez moi. Je vais planter les arbres. J'en prends 5. Je vais tous les planter. Et je vais laisser pousser les arbres. Vraiment, elle est vraiment super bien faite cette map. Hop, hop, hop. De les mettre l'un à côté de l'autre, parce que si je les mets l'un à côté de l'autre ensuite, ça va pas marcher, ça fait un truc tout moche. Autant récupérer le maximum de troncs. Merde, ça c'est que si je plante pas de terre, ça risque de pas pousser. Donc là, hop hop. Et hop, on va en mettre 4, ça fera joli. Est-ce que j'en mets en milieu? Non, j'ai mal fait pour en mettre un au milieu. Saloon, le saloon, faut que j'aille boire une bière. Non, j'ai pas en acheté une, ça coûte trop cher. Pour l'instant, je suis pas assez riche pour vivre de cela. Hop, hop, on range tout ça. Hop. La moitié ça sert à rien. La moitié ça sert à rien. Alors, les torches ça sert. Bâton ça sert. Pierre ça sert. Et voilà. Allez, on se retrouve dans le saloon. Dehors. Au milieu. Et voilà. Oh mon steak. Ouais non, mon steak. Allez. Le cowboy McLaren 85. Oh, ouais, salut toi. Non, au revoir. Non, laissez-moi, laissez-moi. Vous savez de quoi. Allez. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Mettez un petit pouce vert pour notre fermier cowboy, c'est vous qui voyez. Pour qu'il puisse continuer ses aventures. Allez, salut tout le monde, à plus.